Bienvenue à tous dans une nouvelle aventure sur Roblox. On est sur King Legacy qui était précédemment nommé King Peace il y a très longtemps. C'est un autre jeu One Piece qui est plutôt bien apparemment. On n'arrête pas de me le conseiller, j'avais déjà joué il y a longtemps. Mais ça remonte, c'est loin, c'est loin. Actuellement le jeu a 50 000 joueurs qui sont connectés. Ce qui est beaucoup, il y a peu de jeux One Piece actuellement qui sont à ce point élevé. Évidemment BloxFree est à genre 400 000 actuellement. Mais enfin, c'est pas loin par rapport à BloxFree en réalité, surtout par rapport aux autres jeux One Piece. Bref, donc on va le tester. Comme je l'ai dit, j'avais déjà joué au jeu, mais c'était il y a littéralement des années. Je crois que l'île de départ ne ressemblait même pas à ça. Vous arrêtez pas de me dire en commentaire d'y jouer. Eh bien, on y est enfin. C'est aussi pour ça que je suis pas avec mon compte principal, parce que mon compte principal, j'avais déjà commencé. Là, je voulais revivre l'expérience vraiment depuis le début. Bref, on a déjà quelques magasins. Donc, il y a un katana à 5000, je pense. Ouais, je peux pas l'acheter, j'ai 0. Il y a un forgeron, je suppose que c'est comme BloxFree. Ouais, tu peux améliorer ton arme et tout, d'accord. Attends, quoi? Attends, tu peux améliorer les coups de poing? Non, on peut pas. Je crois pas. Non, on peut pas. On peut pas. Ok. Bref, allons-y. Où sont la première quête? Au moins, déjà, j'apprécie pour l'instant que j'ai déjà trouvé le magasin d'épée, j'ai déjà trouvé le gacha de fruits, j'ai déjà trouvé le marché noir de fruits. C'était pas mal. Combien coûte le gacha par curiosité? Un random fruit, blablabla, open 1. Ça coûte 25 000. Ok, mais j'ai rien moi. Et on peut spin jusqu'à 10 toutes les 30 minutes, on dirait. Ok, c'est pas mal. Ok. J'ai pas tout capté. Mais vas-y, en avant, il est l'heure de jouer. Allez, stop, déclin. Je devrais passer le jeu en anglais aussi, parce que je pense que la traduction va être éclatée. Alors, oui, je me souviens qu'il y avait Tashigi, effectivement. Je me souviens que à peu près de cette île, elle ressemblait pas du tout à ça quand j'y ai joué la première fois. Et ça, c'est quête de niveau 5. Où est la première quête, sérieusement? Ça doit être ça. Soldat, niveau 0, tue 4 soldats. Ok, basique. De souvenir, j'avais bien aimé le début du jeu la première fois que j'ai joué. Donc on va voir si ça vaut toujours bien le coup par rapport au jeu d'aujourd'hui. Bon, au moins je l'ai tué super vite. Bon, pour l'instant, le gameplay a l'air rapide, un peu comme BloxFree en fait. Les punches sont très rapides, quasiment inesquivables. Est-ce qu'il y a une défense? J'ai pas l'impression. Okay, donc pour l'instant c'est à peu près du BloxFree. J'aime bien les animations, elles font le taf. Ok, je suis déjà niveau 7, ok d'accord, dès le début. Et est-ce que je peux faire la quête d'après? Ah non, niveau 10. Ok, donc faut juste qu'on la refasse une seule fois. Plutôt facile. Pour l'instant j'aime bien. Je trouve que c'est moins peut-être beau que BloxFree. Je sais pas, en fait je compare avec la mer 3 dans ma tête. Alors qu'il faudrait que je le compare à la mer 1 là, vu que c'est la première île. Mais pour l'instant j'aime bien. Après je me souviens, comme j'ai dit, la première fois que j'ai joué, j'avais bien aimé le jeu. J'avais trouvé ça dynamique, je crois, j'avais trouvé ça assez rapide et donc il y a moyen que ce soit la même. Attends, c'est qui lui là? Drago, t'es qui? Est-ce que tu veux reset tes stats pour 25 gemmes? Non, il y a déjà le reset de stats, on l'a déjà trouvé. Il y a plus de choses que sur la première île de BloxFree, ça c'est sûr. C'était combien déjà le katana? 5000, ok, j'ai pas assez de fric. On va essayer d'acheter le katana dès qu'on peut. De souvenir, je crois que j'avais joué le fruit barrière la première fois où j'ai joué sur ce jeu. Et de souvenir, le barrière était vraiment bien. Après, c'était bien pour l'époque, comme j'ai dit. Genre le truc, c'est qu'à l'époque, BloxFree ressemblait pas du tout à ça. Dites-vous que BloxFree, vous voyez le fruit dragon à peu près. Dites-vous que, enfin le fruit dragon actuel, pas le rework qui sortira dans quelques jours, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo. Le fruit dragon actuel, c'était l'un des meilleurs fruits de BloxFree, alors qu'aujourd'hui c'est l'un des plus moches. Donc c'est pour dire, à l'époque, voilà, les trucs n'étaient pas pareils. Roblox n'était pas pareil. C'était beaucoup plus moche en règle générale. Oh, attends, il commence à tanker là. Oh ouais, il commence à tanker d'ouf. J'aurais dû mettre des points de compétence. Je suis débile. Bah oui, j'ai oublié. Stat. Ok. Alors, on va jouer. Déjà, on va mettre de la santé pour l'instant. Pour être un peu intelligent. Oh oui, en plus, ça booste bien ma santé. Je suis déjà 3 fois plus fort. Ok, on va tout mettre dans santé parce que je sais pas encore ce que j'ai envie de jouer. C'est vrai que je suis Mink aussi. Je crois que je suis humain sur mon compte principal. Donc ça, c'est cool. Ok. Je vais pas jouer corps à corps, je pense. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'énergie dans ce jeu. Ça, j'aime bien. C'est vrai que ça c'est un truc dont je parlais aussi à l'époque. À l'époque, il y avait plein de jeux One Piece qui mettaient de l'énergie, mais genre, c'était trop relou. Généralement, l'énergie, juste à t'empêcher de lancer tes compétences, c'était insupportable. C'était trop relou. Et même BloxFree, en règle générale, je pense qu'il pourrait enlever l'énergie. Je vois pas l'intérêt que ça a en fait. Ça te force à mettre des points dans la mêlée et je vois vraiment pas l'intérêt. Parce que maintenant dans BloxFree en fait, on a tellement d'énergie au niveau max que de toute façon, en fait, qu'il y ait de l'énergie ou qu'il y en ait pas, ça revient exactement au même. GPO, il y avait peut-être encore un petit intérêt à avoir l'énergie, je sais pas. Mais je sais pas, je trouve que dans la plupart des jeux One Piece, en fait, t'as juste envie de spammer tes attaques, t'as pas envie d'avoir une stat d'énergie un peu relou, donc j'aime bien ça. Je pense qu'on va essayer d'avoir un fruit si on peut, mais ça coûte un peu cher. On va essayer d'aller voir au marché noir, je pense. Si on peut pas avoir de fruit, on va jouer épée pour l'instant. Donc là, je vais être très nul jusqu'à pouvoir m'acheter mon premier katana du coup. Il y a un battle pass, ah ouais, d'accord, on en est là, free. Donc on peut avoir des gemmes et tout. Comment on fait ça? Battle Pass héritage abyssal. C'est peut-être en faisant certains boss. J'espère que le jeu est quand même assez différent de BloxFree. Vu qu'il a beaucoup de joueurs, franchement, j'ai espoir. Et surtout, vu que vous n'arrêtez pas de me spammer en commentaire pour que je rejoue au jeu, j'ai vraiment espoir qu'il soit trop bien. Mais apparemment, les trucs qui sont vraiment cool, c'est sur les îles un peu plus loin.
Donc malheureusement on pourra pas trop voir ça pour l'instant. Attends ça, oh il a le gum-gum lui. Oh ça a l'air fluide. Oh wesh, il a le Red Hawk. Non frère c'est stylé. Le gum-gum a l'air tellement mieux que dans Blox Free là déjà. Ça fait plaisir. Et vu que le jeu est moins populaire, ils ont peut-être moins de soucis avec les copyrights aussi. Donc peut-être qu'on a le Gear Force et Gear 5 dans ce jeu, ce serait bien. Attends, il fait quoi là? Mais c'est le Haki ça que t'es en train de faire? Vas-y, continue. Attends. Il a l'épée en mode Haki. Ah ouais, ok, il est en mode Haki. Il a la petite aura de Haki autour de lui. Pardon, je voulais pas faire ça. Je voulais juste voir tes attaques. J'aime bien aussi pour l'instant que quand tu frappes les ennemis, ils s'envolent pas à 3 km comme dans Blox Free quand certaines attaques elles font vraiment s'envoler les ennemis. C'est un peu relou à. Oh, je suis mort. Ah, bah non, je suis pas en PVP. Wow, ok, donc ça c'était Barbe Blanche. La vague est pas très belle, mais stylée. Bon, du coup, fumée, c'est mon premier boss. Faut tuer Smoker. Smoker dès le début, mais attends, mais il a un Logia, je suis mort. On va mettre encore un peu de death et je vais garder mes autres points au cas où. Parce que j'ai un peu peur que je fasse aucun dégât à Smoker. J'ai l'impression. Ah oui, putain, oh, je lui fais un. Ouais, d'accord. Ça va prendre du temps. J'ai l'impression que ce jeu, les dégâts augmentent très très vite. Bah, comme Blox Free, encore une fois. C'est un truc que j'aime bien. J'aime bien. À chaque fois que je mets un point de compétence, voir que mes stats augmentent réellement. J'ai pas trop d'exemples. Je crois que GPO c'était le cas où quand tu mettais un punch, tu mettais genre peut-être moins de 10 points de dégâts. Donc en fait, à chaque fois que tu mettais un point de compétence, généralement tes dégâts augmentaient pas en fait. Il fallait mettre, je sais pas, peut-être une centaine de points de compétence pour augmenter un point de dégâts par. Et j'aime pas ça. J'aime quand je gagne un point de stats, que le point de stats il a réellement une importance. Il me rend réellement plus fort. Et là je pense que c'est le cas. Parce que oh, si je mets un point de dégâts, c'est pathétique. Ok, attends, on va juste essayer. On va mettre un point dans corps à corps. Un seul point. Est-ce que maintenant je mets deux? Non, je mets toujours. Ok, c'est curieux. Et si je mets un gros punch, j'ai raté. Ok, frappe. Non, arrête. Frappe. Hop, 26. Ok, donc ça a quand même augmenté d'un point. Ouais, mais les dégâts ont pas tellement augmenté non plus. J'ai l'impression d'être trop faible. Il faut vraiment que je me trouve une arme. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est un fruit? Oh ouais, j'ai trouvé un fruit! J'ai trouvé le fruit de l'amour! Manger! Ouais, c'est quelqu'un qui a dû le dropper ici. J'ai pas pu le trouver naturellement. C'est pas possible que j'ai autant de chance dès le début du jeu. Pistolet! Pistolu! Ah ouais, ok. D'accord, on va jouer fruit. On va jouer fruit, j'ai compris. On jouera peut-être épée plus tard, mais là pour l'instant. Time to be fruit user, comme on dit. Ok, il est mort, let's go. On n'a pas de mastery non plus. Attends, en tout cas sur le punch, je sais pas de mastery, mais. 50. Non, on n'a pas de. Ok. J'ai l'impression que le 50, en fait, c'est qu'il faut que j'ai 50 points dans fruit pour avoir la compétence. J'aime bien, ok, ça me va, ça me va. On n'a pas de M1, par contre, avec le fruit, donc il faudrait quand même que je joue, je pense, épée et fruit en même temps, si on peut. Parce que là, sinon, je vais avoir un problème. Si j'ai qu'une compétence, ça va être chaud. Ouais, attends, c'est un mec qui a le fruit du loup? Wesh! Non, mais il est... Attends, il est trop moche. Ah, il est... Ah non, ouais, ça va, en vrai. On sent pantalon est très moche. Mais à part ça, ça passe, hein. Je vais checker s'il n'y a pas des codes. Parce que ça se trouve, il y a des codes de reset gratuits. Et du coup, je pourrais mettre plus de points dans fruit pour avoir des nouvelles compétences. Ouais, il y a des resets. Ok, effectivement. Alors, déjà, on va essayer de mettre ce que je peux. C'est où les codes? C'est pas ici, on dirait. Peut-être dans magasin. Oh, attends, regarde, ça, c'est le Snake Man, cette attaque-là. Oh, wesh. Et ça, c'est le dos. Oh yes, frère, il a l'air frais, il a l'air frais. En tout cas, la miniature a l'air fraîche. Après, je sais pas. Et donc là, attends, on peut avoir quelques-uns des fruits. Ah ouais. Oh, je veux voir ça, je veux absolument voir ça. On a spin, bombe, humain. Wesh, humain, mais ça marche comment? C'est à les pouvoirs de Chopper, du coup, c'est plutôt le fruit du cerf. Pâte, girafe. Girafe, on n'a pas dans Blox Free, je crois. Barrière, ok. Loup, amour, c'est celui que j'ai. Fumée, ombre, shadow, donc ça c'est string. Caoutchouc, oh le gum gum. Il y a vraiment l'impression d'avoir le... Je crois qu'il y a le Snake Man hein, dans le gum gum. Oh c'est trop bien, j'espère qu'il y aura le Gear 5 sur ce jeu. Ok, sable, léopard, bouddha. Après ça a l'air d'être du classique. Est-ce qu'il y a des trucs qu'il n'y a pas dans Blox Free? Allosaurus, ok, Brachio, je l'avais déjà essayé. J'avais pas trop kiffé mais je l'avais sur mon compte principal. Control, ok, Spino. Il y a beaucoup de dinosaures. Il y en a quand même beaucoup. Ok, on a Gaz, on l'a pas sur Blox Free. Après le reste, je crois qu'on l'a. Or, ah ouais, or, c'est un film. C'est One Piece Gold, tout simplement, il me semble. Je l'ai pas vu, je n'ai pas vu celui-là. Mais c'est, or, ça a l'air stylé. Ça a l'air, j'ai bien envie de jouer comme ça. Esprit, ok, aimant, ah pareil, c'est Kid. On l'a pas dans Blox Free non plus, Kid. Plutôt cool, le phénix évidemment, portail évidemment, dos évidemment, jouer. Wesh, ça peut être trop drôle jouer, ça peut être trop bien. Et après dragon, évidemment, c'est le best. Ok, ça a l'air cool, ça a l'air cool. Je me souviens que la première fois que j'ai joué au jeu, il me semble qu'il y avait que un seul développeur et du coup j'avais été encore plus positif sur le jeu parce qu'il me semble que ça a juste été fait par un seul mec. C'est probablement plus le cas aujourd'hui, je dirais. Enfin, je suppose qu'il a d'autres gens maintenant pour l'aider, mais j'en sais rien. En tout cas, si ça a été fait que par une personne, même aujourd'hui, c'est super impressionnant. Pour l'instant, je dirais le seul truc que je trouve un peu relou, mais je pense que c'est ma faute, c'est que je fais aucun dégât, en fait, sur les ennemis. Ça prend un peu longtemps de tuer quelqu'un. Et les combats sont pas très dynamiques non plus pour l'instant. Genre, les ennemis, juste, ils avancent en ligne droite. Il a pas l'air de faire de compétences, juste, bah, il avance et il fait pas grand-chose. Après...
j'ai envie de dire Blocks Free au premier niveau, c'est un peu la même, donc pareil, je vais pas trop juger méchamment. C'est que le début, donc je vais rien dire pour l'instant, c'est peut-être pas le cas à la fin. Ok, donc là on a une quête journalière qui donne plein d'XP, ok, et qui donne 500 balles et de l'XP de passe de combat, je crois. Ok, c'est à qui qu'il faut que je parle? Attends, c'est... Ah, c'est sur une autre île! Ok, j'irai après. Oh, et la carte, regardez, elle est dynamique! C'est trop frais! Non, c'est trop bien, je me vois bouger dessus. Je vois que les îles que j'ai déjà découvertes. Je vois le niveau des îles quand je suis dessus. Non, c'est dynamique, c'est frais. Vraiment, c'est très bien. Je suis très positif pour l'instant par rapport au jeu. Pour l'instant, vraiment, il est bien. Après, il est aussi possible que je sois très positif parce que je suis juste tellement habitué de jouer à Blocks Free ou de jouer à des jeux qui sont un peu moyens que juste avoir un truc nouveau, c'est nouveau. C'est tout frais dans ma tête et du coup, c'est cool. Je peux enfin jouer à un nouveau jeu et j'aurais pu depuis longtemps, c'est vrai. Mais je pense que la meilleure chose à faire, ça a été de... Oula. Je pense que la meilleure chose à faire, ça a clairement été de reprendre un nouveau compte. J'aurais jamais continué le jeu avec mon compte principal. En vrai, recommencer en plein milieu, c'est dommage. Vas-y, on va tuer Tachigi, let's go, on a tué Tachigi, bien joué. J'ai eu de la prime, c'est cool, récompense. Donc je suppose que ça, c'est la prime, ok. Niveau 34, ok. Est-ce que je peux avoir ma deuxième comp? Non, je crois qu'il va me manquer genre... Ah, il me manque 2 points pour la deuxième comp, ça fout le seum. Mais du coup, vu que la carte, elle me montre pas les autres îles que j'ai pas découvertes, du coup, est-ce que le jeu, il va me dire quand je dois changer d'île ou est-ce que c'est juste à moi de partir explorer au hasard? Je trouverais ça plus sympa qu'il me guide, vu que c'est le début. Je trouve que ça manque un peu de guide, c'est vrai, pour l'instant, par rapport à Blocks Free. Ce serait bien, en fait, comme dans Blocks Free, une petite boussole qui te dit la quête la plus haut niveau que tu puisses faire. Je pense que ça pourrait être sympa. C'est vraiment la seule chose que j'ai à redire, hein, pour l'instant. C'est dingue, c'est vraiment un détail. Wesh, attends, mais elle fait trop mal, Tachigi, son attaque, elle est insane. J'ai envie de jouer épée maintenant. On y retourne. Est-ce qu'on a Gepo ou quoi? Non, je crois que j'ai aucune compétence. J'ai que le dash pour l'instant. J'espère qu'on va avoir le haki assez vite. Je sais plus si je l'avais sur mon autre compte. Je crois que non. Donc je vais vraiment découvrir à fond. Dites-vous que j'étais allé jusqu'à Alabasta, je crois que c'est niveau 400 et quelques, je sais plus. Le niveau max c'est 4000. Donc j'ai vraiment rien vu en réalité. Ok, j'ai enfin la deuxième compétence. Alors voyons voir. Donc pistolet, ok, je commence à faire de très bons dégâts. Charmant, c'est quoi charmant? Ah d'accord, oh je les stun, ok. C'est le fruit de l'amour. Donc je m'attendais à un truc un peu éclaté, mais finalement le fruit de l'amour pour l'instant est pas trop mal. J'ai hâte d'avoir, oh le gom-gom, le gom-gom il me le faut. S'il y a vraiment le gear fort, oh là là, il me le faut absolument. Je vais monter jusqu'à 50, j'imagine que la quête de la prochaine île est level 50. Peut-être qu'elle était même 40 et du coup je suis en train d'XP pour rien. Mais vas-y, c'est pas grave. Wesh! Non mais attends, c'était quoi ça? Waouh! Non attends, le frère il a... T'es mal arme qu'il a! C'est une dinguerie. Attends, non ça c'est le... Oh c'est le fruit du feu. Attends mais ça rend trop bien! Mais c'est trop frais, vas-y, continue! Il vole en plus et il a l'air de voler assez vite. Frère, c'est trop stylé. Pour l'instant, j'aime vraiment bien le jeu. Je suis pas... Ah, ok, il y a un truc au niveau des graphismes que j'aime pas. C'est très sombre et c'est très terne. C'est pas très coloré, en fait. J'aime bien quand il y a plein de couleurs. Moi, après, c'est ma préférence personnelle. Je trouve que ça... Je sais pas, ça manque de couleurs. Surtout pour du One Piece, c'est très gris. C'est... Je sais pas. Après... Ça manque peut-être un peu de lumière sur les attaques aussi, mais bon, en vrai, je pense que j'aurais oublié ça dans même quelques minutes. Est-ce que je continue de faire Tachigi jusqu'à pouvoir acheter la première épée ou est-ce que juste je vais à la prochaine île? Je sais pas. En vrai, je pense que ça serait peut-être bien de farmer pour l'épée. Il y a quoi ici dans cet endroit? Bounty Boost? Bah non, je m'en fiche. Brew Sunflower, vous êtes qui vous? Accepter. Bah j'ai rien d'accepté. Bah, j'ai freeze. Bah, je peux plus bouger? Non, le frérot m'a cassé. Oh non, ok, c'est bon, je peux peut-être reset mon perso et ça va marcher. C'est bon, je suis réparé, ok, j'ai eu peur. Je pense que c'est les développeurs ici. Maître de titre, mais j'ai pas de titre, je suppose. Aventurier, ok, j'ai vraiment la base de la base, hein, j'ai rien d'autre. Thor, t'es qui Hector? Est-ce que tu veux reroll ta race? Non, je suis très bien comme ça. Magasin d'animation, quoi? Comment ça, magasin d'animation? Affichage, c'est des émotes. Ouais, c'est juste des émotes. Attends, protagoniste. Enfin, c'est des émotes ou c'est vraiment des animations, genre ton perso, il agit différemment? Ouais, j'ai pas réussi à parler là, j'ai galéré. Bon, bref, on va peut-être continuer de faire la quête de... Attends, j'ai jamais eu de Gepo. Attends, c'est nouveau ça, le Gepo? Bah, let's go. Avant de continuer la quête, je suis juste curieux, ça coûte... Oh, attends, ça coûte cher les fruits. Ok, d'accord. Ça coûte une blinde. Même les fruits basiques, ils coûtent super cher. J'ai eu de la chance qu'on m'ait donné ce fruit ou que je l'ai trouvé naturellement dans la nature parce que sa mère... Ouais, ça coûte un bras. Bon, allez, je vais juste refarm Tachigi histoire d'acheter l'épée et on se casse. Attends, l'âme Tachi obtenue. Il me semblait bien qu'elle a droppé son épée. J'avais un petit souvenir de ça. Ok. Ah bah j'ai pas besoin d'acheter l'épée du coup si j'ai celle de Tachigi. Wesh, oh, les animations sont pas très belles je trouve. Ouais, c'est pas super beau. Bah écoute, au moins j'ai une épée, ça c'est plutôt frais. Est-ce que ça a fait plus de dégâts? Non, elle fait toujours un. Oh ouais, par contre les petits slashs sont assez cool quand tu frappes l'ennemi.
Ok, sympathique. Après, je joue plutôt fouille pour l'instant, j'ai pas encore de stats dans épée. Donc j'ai bien envie de mettre des stats dans épée. Je pense que de toute façon ce sera bien d'avoir les deux à l'avenir. Comme ça j'aurai à la fois une auto-attaque et un fruit. Mais pour l'instant ça vaut pas le coup en fait. Ok, j'ai une nouvelle compétence de fruit. On va pouvoir tester ça encore contre Tashi. Toujours la même, elle file beaucoup d'XP hein. Pour aller faible, elle file beaucoup d'XP. Ok, bam, et maintenant flèche de serviteur. Bré. Ok, on a rien vu mais oh ça fait si mal. C'est pété. Non mais attends, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais le fruit du love est complètement explosé. Genre il fait trop mal. Est-ce que je peux la one shot? Non, mais quasiment. Wesh, ok, c'est fort. J'aime bien le fait aussi que les boss ils respawnent super vite. J'espère que c'est toujours comme ça aussi à la fin du jeu. Parce que là tu peux juste la farmer en boucle. C'est vachement rapide. Et je pense que c'est la chose que j'avais dit aussi la première fois que j'ai joué. Mais ouais, le jeu est fast. Tu perds pas de temps. Ok, du coup c'est bon, 59. On va pouvoir acheter la nouvelle épée. Le katana, je le prends. Ah non, c'était 5000. Mais je suis débile en fait, j'aurais pu l'avoir depuis le début. Et lui il a d'autres attaques. Il a le shishi sonson et il a autre chose. Je sais pas ce que c'est. On va peut-être mettre quelques points dans l'épée juste pour voir. Vas-y, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je devrais l'avoir. Ok. Shishi sonson. Ok, c'était basique, ça fait le taf. Et maintenant, je mets 2 points de dégâts avec mes auto-attaques. Donc c'est peut-être un peu mieux, mais je sais pas. Mon fruit fait juste tellement mal à côté. Je pense que l'épée, elle vaut vraiment pas le coup pour l'instant. Shishi sonson. Hop. Ouais, je mets pas des bons dégâts. Je vais garder mon fruit. Ok, je vais pas m'éparpiller maintenant pour l'instant. Parce qu'à l'heure actuelle, clairement, l'épée est beaucoup moins forte. Faudrait que je mette tous les points dans l'épée si je voulais jouer comme ça. Allez, on s'arrache. Marin d'eau douce. Je voudrais un bateau à rame. Je suis un peu pauvre actuellement. Génial, une barque. Elle est très grande comme barque. En avant. Ouais, ouais, attends, les deux îles, elles sont vraiment juste à côté. Genre, les îles sont collées. Allez, c'est parti. Quand tu voles, tu dois être tellement rapide. Tu vas vraiment d'île en île, je pense, en 2 secondes. Île du soldat, d'accord. Ah, non, je vais mourir. Ok, bonjour. Alors, c'est la deuxième île ici ou pas? On va checker la carte, ça va sûrement me dire ce que c'est. Niveau 100, ok, j'ai rien dit, c'est pas pour moi. Je pense pas que ce soit le baratier à la deuxième île. Je sais pas, ça m'a l'air trop rapide d'aller déjà au baratier. Je pense que c'est celle à côté. Là, en plus, on dirait qu'il y a Baggy. Attends, c'est curieux parce que là, celle-là, c'est l'île où Luffy rencontre Zoro. Donc logiquement, ça serait la deuxième île dans One Piece. J'espère que c'est pas niveau 100 réellement la deuxième île. Parce que ça veut dire que je vais devoir vraiment farmer Tashigi pendant grave longtemps. Île des pirates. Ok, niveau combien cette île-là? 50. Oh, parfait. C'est bon, j'ai eu peur. C'est juste dans le désordre, mais sinon tout va bien. Quelque chose de bizarre se passe autour de toi. Comment ça, quelque chose de bizarre? J'ai rien, moi. Je vais très bien. Je suis normal. C'est bizarre comme phrase. Ok, essayons de tuer les clowns, là. Allez, venez tous ici. Je vais tous vous paquer, je vais tous vous one-shot. Oh, j'espère que ça fait XP vraiment super bien. J'ai pas regardé combien vous êtes à Shigi. Ok, flèche du serviteur. Bam. Oh, yes. Des bons dégâts. Hop. Ils sont pas morts. Oh, ok, ils tankent autant que Tashigi. C'est même pas des boss, mais les frérots sont quasiment aussi forts. Let's go. Flèche. Ok. Bam. On est vraiment tous en train de les enchaîner. C'est génial. Hop. Shishi Sonson juste pour le plaisir. Parce que j'ai plus de compétences. Et on le termine. Ok, il est mort. C'est parfait. C'est qui eux? Attends, mais il y a des aliens. Mais wesh. Attends, c'est ça le truc bizarre qui s'est passé? Je leur fais aucun dégât. J'ai pas le niveau. Pourquoi il y a des aliens, frère? C'est 100% ça, le truc bizarre. C'est 100% ça. Wesh, je leur fais aucun dégât. À l'aide. À l'aide, au secours. Ils m'ont one-shot. What? Pourquoi il y a des aliens? C'est quoi ça? Attends, mais c'est trop drôle. Pourquoi il y a une croix aussi par terre? Je sais pas. C'est trop drôle, en vrai. Pourquoi c'est trop bizarre aussi. Je pourrais pas les tuer. Ça se trouve, ils droppent un truc de malade. J'ai trop le seum. C'est quoi le nom du pass de combat? Héritage abyssal. Ouais, donc ça a aucun lien avec l'espace, le titre. Je sais pas comment ça se fait, du coup. Bah, en vrai, c'est cool. Je sais pas ce que c'est que cet event, mais c'est drôle. Attends, non, ils vont pas continuer à essayer de me tuer, là, quand même. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Non, mais les mecs, j'ai pas le niveau. Arrêtez de m'attaquer, s'il vous plaît. Bon, bah, on va être obligé d'essayer de survivre avec les petits aliens à côté. Après, je pourrais techniquement les tuer, hein, si je continuais à les tabasser. Mais c'est que ça va prendre tellement de temps. Vas-y, suivez-moi. Venez ici, vous serez bien, là. Vous pourrez plus me suivre. Ah, ok, ils m'ont tué, d'accord. Allez, les aliens, venez là, venez. Ils vont tomber, c'est des vieux débiles. Ils ont aucune animation, ils sont trop débiles. Ah, bah alors. Attends, il y en a un qui est tombé dans l'eau. Ça veut dire qu'il s'est refait téléporter? Non, j'espère pas. Oh non, évidemment. Bon, lui tout seul, c'est pas un problème, c'est pas grave. Si, c'est grave, il me tue. Non, frère, l'alien est insupportable. Ok, viens. Viens ici. On va te mettre là, on va te bloquer et tu vas enfin nous foutre la paix. Et pourquoi ils sont de retour, eux? Non, mais frère, c'est une dinguerie. J'ai limite envie de changer de serveur. Je peux rien faire contre eux. Attends, c'est quoi ça dans le chapiteau de Baggy? Pourquoi 0 sur 6, c'est quoi ça? C'est un boss? Attends, je vais voir. Il faut que j'expérimente. Attends, c'est qui lui? Donne peut-être des infos. Blablabla. Si tu penses que tu es fort, tu peux y aller. D'accord. Mais je suis pas fort du tout. On va quand même essayer. Je vais me faire one shot. 100%, c'est un boss qui va me péter la bouche. Mais vas-y.
toute façon, quand je reste ici, il y a des aliens qui me pètent la bouche. Alors ça changera pas grand chose. Arène dorée, c'est quoi? Non, c'est du PVP. Non, c'est pas du PVP. Ça doit être un event. Facile, normal, dur. Bah, facile. Ok. Ça a l'air d'être un event. Je pense qu'on gagne peut-être des gemmes là-dedans. Je pense que c'est ça. Ok, c'est ma supposition. C'est des combats de vagues où t'affrontes plein d'ennemis et tu gagnes des gemmes. Peut-être. En tout cas, il se passe rien pour l'instant. C'est vide. Pourquoi il y a un vieux désert? Ok, on démarre. Mais ça me dit quelque chose, ça. Il me semble que je l'avais déjà fait avec des abonnés ou c'était peut-être sur un autre jeu. Mais une arène comme ça me dit grave quelque chose. Ennemis restant 4. Ils m'ont one shot. Ah ouais, non, d'accord. Ok, non, c'était une blague. J'étais pas fort, j'ai menti. Ils sont niveau 300. Enfin, ça, c'est le niveau facile. Ah oui, bah en même temps, niveau max, c'est 4000, tu m'étonnes. Bon, j'ai perdu, j'ai compris. J'ai arrêté de me tirer dessus. Je vous en supplie. Arrêtez. Non, bah arrêtez. Ok, voilà, je suis mort. Eh bien, meurs, voilà, dans le monde normal. Y'a plus d'aliens, j'espère. Non, y'a plus d'aliens. Ok, cool, j'ai eu peur. Ok, 75, donc on va pouvoir tenter Baggy en avant. Allez, on fait Baggy et si on gagne, on est des dieux. Tout simplement. Allez, Baggy le clown. Buggy the clown. Baggy le clown, c'est le nom que j'ai sur la plupart des serveurs Discord avec mes potes. Voilà, mon pseudo sur Discord, sur tous les serveurs avec mes amis. Et sur Steam, c'est Baggy le clown. Donc je vais te montrer que c'est moi le réel Baggy. Depuis le début, c'était moi le plus grand clown. Et voilà, j'ai gagné. Ah, c'était facile. Je m'attendais à bien pire. Il a même pas de compétences. Non, c'est pas possible. Je veux qu'on réessaye Baggy juste pour savoir. Visiblement, il donne pas d'armes non plus. Je crois qu'à l'arme, la quête de Tashigi, il y avait la petite arme qui s'affichait là. Donc visiblement, Baggy ne drop rien. Je trouve ça sympa que les drops, ce soit pas les boss qui les donnent, mais que ce soit la quête. Comme ça, ça te force à avoir le bon niveau pour avoir les drops et... Je sais pas, c'est bien comme ça. Vas-y Baggy, frappe-moi. Tu fais quoi? Ouh, mais il... Ouah, il s'en détache les bras. C'est une dinguerie. Attends, il a des auto-attaques, lui. Moi, j'ai pas le droit d'avoir d'auto-attaque avec mon fouille, c'est dégueulasse. Allez, meurs. Allez, c'est terminé, frère. Mon fouille est fumé. J'ai l'impression d'être complètement pété dans ce jeu. J'adore ça. J'adore ça, tout simplement. Et j'avais même pas mis tous mes points. Vas-y, j'ai mis tous mes points. Vas-y, est-ce que je peux one-shot Baggy en un combo? On dirait que non. Non, il reste un peu de points de vie. Bravo, Baggy le clown, malheureusement. Tu es quand même mort grâce au pouvoir de l'amour. Maintenant, il est amoureux de moi et nous ferons le couple des plus beaux clowns de tout l'univers. J'aimerais juste débloquer le nouveau skill de fruit maintenant. Et ce serait quand même pas mal déjà pour aujourd'hui. Attends, il y avait un mec là. C'est qui lui? Il vend un truc. Comptable mystique. Comptable mystique, quoi? Est-ce que tu veux changer des matériaux et accepter mon offre? Quoi? Lors des chroniques. Qu'est-ce que c'est que... Livre du destin. Quoi? Un tome mystérieux qui partage le sort des aventuriers. D'accord. D'accord, c'est quoi ça? Un tome légendaire revelant de fortune et guidant les aventuriers vers des trésors invisibles. Frère, ça a l'air d'être une dinguerie ça, mais je comprends rien. C'est comme les scrolls dans Bloxfruit peut-être. C'est peut-être pour enchanter les armes, j'ai vu qu'on pouvait enchanter, renforcer, faire plein de trucs. J'avoue que ça a l'air cool, les armes ont l'air sympas dans ce jeu. Vu qu'il y a plein de systèmes pour les renforcer, ça a l'air sympa. Limite, j'ai le somme de pas pouvoir utiliser une arme et d'avoir qu'un fruit. Mais peut-être qu'avec les respects gratuits, je vais peut-être me mettre en mode épée. Mais pour l'instant, j'aime bien fruit, mais c'est que j'aurai bientôt la dernière comp. Donc peut-être que la prochaine fois, je préférerais jouer épée finalement. Ok, dernière comp, c'est parti, je l'ai. Frappe ouragan. Ah, c'est un. Oh, c'est stylé. En vrai, ça rend bien. Ça rend vachement bien. J'ai l'impression d'avoir fait des dégâts assez aussi incroyables. J'aime trop le jeu, il est trop rapide. Vraiment, c'est super. Ça avance à la vitesse de l'espace. Ça veut rien dire. L'espace n'a aucune vitesse. Ça ne veut rien dire du tout. Mais ouais, ça avance vite. Ça avance vite. Tu débloques souvent des nouveaux trucs. Les animes sont plutôt cool. J'aime bien. Ça va me permettre de changer de Bloxfruit. Il me semble que déjà la dernière fois quand j'avais joué à King Peace, c'est aussi parce que j'en avais marre de Bloxfruit. J'avais envie de passer à autre chose, enfin de tenter autre chose en attendant. Et là, c'est en attendant la mise à jour de Bloxfruit que je joue à ça. Donc c'est cool en fait. J'aime bien pouvoir redécouvrir un nouveau jeu. C'est cool parce que c'est vrai que Bloxfruit, je le connais déjà par cœur. Donc y a plus de découverte. C'est plus très fun pour moi la plupart du temps de faire un nouveau perso. Là, au moins, c'est inconnu à 100%. Bref. En parlant de Bloxfruit, si vous voulez en voir, eh bien, j'ai fait une vidéo récemment où j'ai affronté le Terror Shark. Vous pouvez cliquer sur ça à l'écran. Sur ce, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Allez!